Allez, c'est parti, on se retrouve sur Dirt Rally. La quatrième manche donc, du championnat Team LSF. Alors, on va essayer de faire ça. Donc, c'est la Finlande. Quatre étapes, comme d'hab. Je vous cache pas que ça va être compliqué. Parce que les sauts, pas de setup. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les suspensions. Bon, bref. Alors, est-ce que le. L'astuce, ce serait de rouler doucement et de pas se planter. Je serais tenté de dire oui. On va voir. De nuit en plus. La totale. Faites exprès, les gars. 40. Bon, bien écoutez ce que madame me dit. Gauche 5 sur crête, possible saut. Gauche 6 sur crête. 200 après jonction sur crête. Droite 6 semi-long en descente. Crête. Crête, possible saut. 40 après jonction sur crête et serré à gauche sur crête. Crête. Milieu sur crête, possible saut. Droite 6. 150 sur bosse après jonction. Attention, crête saut. Milieu sur grand saut. Gauche 6 après jonction, 60. Milieu sur crête saut. Milieu sur crête saut, 130. Crête après jonction. Gauche 5 et continue sur 2 crêtes et ferme 100. Crête, possible saut. Gauche 3, continue sur 100 après jonction sans couper. Crête, 40 après jonction. Droite 5 sur crête sans couper, s'ouvre et ferme. 4 longs sans couper. Gauche 5 longs sur pont sans couper. Crête 130 sur crête saut. Droite 3 semi-long. Ah ouais, moi je freine. Gauche 3 long s'ouvre sans couper. Crête possible saut. Droite 3 sur crête s'ouvre après jonction sur crête. Crête possible saut. Gauche 5 est serré. 40. Droite 4 semi-long sans couper. Gauche 4 saut sur crête. Crête. Droite 6 sur bosse. Serré à gauche sur longue crête, possible saut 40. Attention, droite 6. Milieu sur grand saut sur droite 6. 40, crête 40. Ouf. Gauche 5. Serré à droite en descente sur crête. Gauche 4 ferme sur bosse après jonction. 60. J'ai déjà failli me tuer. Gauche 4 long s'ouvre et continue après jonction. Crête bosse. Droite 4 long. Gauche 6 sur crête. 80 droite 6 sans couper. Gauche 5 sur crête, possible saut. Droite 6 en descente après jonction sur crête. Gauche 5 sur crête. Droite 6 sans couper. Gauche 5 saut sur crête. 40 en descente. Serré à droite sur crête, possible saut. Droite 6 en descente. Crête 60, droite 3 et crête. Gauche 6 100. 40. Milieu sur crête saut sur droite 4. 60. Gauche 5 sur crête saut. 80. Gauche 3 semi-long sur crête, après jonction sur crête. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Gauche 3 s'ouvre sur crête 80. Droite 6 sur crête saut 80. Gauche 4 semi-long. Crête. Droite 3 long. Crête. Droite 3 long. Crête et crête saut. Gauche 6 sur crête sans couper 40. Droite 4 est serré. 130 sur arrivée. Pas trop mal, pas trop d'erreurs.
Allez, l'étape 2, ça doit être la plus longue. 5, 130. Donc c'est humide. Gauche 4 est serré sur 40. Droite 6 sur crête sans couper. 102 petites crêtes. Gauche 3 rond s'ouvre sur crête. 40. Crête. Gauche 3 long. Crête. Droite 4 semi-long. 60. Gauche 6 sur crête, possible saut. 80. Droite 6 ferme, 3 sur crête. 100. Crête après jonction droite, 3 sur crête, c'est serré. 80. Crête. Droite 5 sur crête, saut. 60. Crête possible, saut gauche 5. Crête, saut. Droite 6 long sur crête, bosse après jonction. Droite 6. Crête possible, saut et gauche 3 long. Crête. Gauche 6 en descente et crête saut. Droite 6 sur crête, ferme sur 5. Après jonction gauche 6 sans couper. Crête. Droite 5. Gauche 6 en descente. Droite 5 sur crête. C'est vrai que je prends pas beaucoup de risques, mais bon. Gauche 6 sans couper, 80. Droite 6 sur crête. Gauche 15 long. Crête. Droite 6 sur crête après jonction et continue et ferme 4 long. 60. Droite 3 après jonction s'ouvre sur 2 crêtes. Serré à gauche en descente sur crête. Droite 5 après jonction et crête. Entre les bosses et les bas-côtés, vraiment un très piégeux. Serré à droite sur longue crête, possible saut. Gauche 6 sur bosse et crête. Attention, droite 6 ferme, 4 sur crête, possible saut. Gauche 4 semi-long sans couper, 40. Droite 5 après jonction et serré sur crête saut. Crête, possible saut. Attention, gauche 4 semi-long et serré sur crête, rocher en sortie. Crête, possible saut. Droite 4 long, ferme 3. Gauche 3 semi-long. Crête possible saut. 130 après jonction crête. Droite 5 long sur pont sans couper. Gauche 4 long après jonction. Ah, j'aimerais bien sauter, hein, mais quand je sais que c'est une ligne droite derrière, ça ne pose pas de problème. Crête saut.
Gauche 5 sur crête, ascension droite 2. Gauche 6 en descente. Droite 6. 80 après jonction. Gauche 6 sur crête, ferme 3 semi-long. 60 droite 5 semi-long. Gauche 5 long sur crête 60. Limite ça. Allez, on reste dedans, on a fait la moitié. 40. Attention, droite 4 sur crête, serré à droite et ligne droite. Droite 4 sur crête, possible saut sans couper. 80, attention, gauche 6 long sur crête. Gauche 3 semi-long, s'ouvre à préjonction. 250, ligne droite en descente. Droite 4 long sur crête 130. Crête possible, saut 40. Attention, droite 6 sur crête box. Gauche 6, 200. Gauche 5, long sur crête, possible saut est serré. 150, attention, droite 4 sur crête. Possible saut après jonction sans couper. 100. Gauche 5, long sur deux petites crêtes. 80, longue crête. Droite 3, semi-long. Attention, milieu sur grand saut. Droite 6 sur crête, 40 gauche 4 semi-long, sur crête sans couper 80. Droite 5 sur crête possible saut, sans couper 60. Attention ligne droite saut 120. Droite 4 long s'ouvre sur bosse. Ferme sur 40, gauche 4 long. S'ouvre sur virage à 90 degrés, gauche long sans couper. 60. Droite 6 après jonction, crête 80 en descente. Gauche 5 sur crête 100. Allez, dernier tronçon. Attention, milieu sur crête. Maintenant qu'il faut flancher. Bosse 60. Attention, serré à droite sur crête 100. 40 gauche 5 long et serré. S'ouvre sur crête 100. Gauche 4 long après jonction. 60 sur petite crête. Attention, gauche 6 en descente et continue sur crête sur 40. Droite 5, semi-long 80. Milieu sur crête, 150 en descente. Milieu sur crête, saut 200. Droite 4, semi-long sur crête, possible saut. 100. Gauche 6 long, 200 en descente. Sur arrivée. Bon, c'est pas si mal non plus. Pas d'erreur. C'est pas mal. Allez, on va la réparer. Je dois avoir grand chose. Donc je crois que c'est F2. F4. Hop, et on y va. 3. Droite 3 long sur crête et continue après jonction sans couper. Gauche 5 sur crête. Ouais, c'est du gravier, hein. Là c'est vraiment plus délicat. La déance est vraiment plus précaire. Droite 4 semi-long ferme. Gauche 4. Milieu sur longue crête. Gauche 4, 80 sans couper 60. Attention, droite 3 long, restez milieu. Ferme sur crête 60 sur longue crête, possible saut. Gauche 6, 80 crête. Droite 6 sur crête fausse. Crête 40 en descente. Gauche 3 sur crête sans couper. Droite 3 s'ouvre sur long. Gauche 6. Virage à droite, 4 ferme, 3 sur crête. 80. Droite 6, semi-long sur crête, possible saut. Milieu sur crête, saut. Milieu sur crête et crête, 60 crête. Gauche 3, s'ouvre long sans couper. Milieu sur crête. Droite 5, s'ouvre sur crête et continue sur 130. Ferme 4, sans couper, 60. Gauche 6, semi-long 100. Gauche 4.
efficace sur Crète et s'ouvre en 60. Milieu sur longue Crète après jonction Crète 60. Petite Crète possible 180 après jonction. Droite 6 sur Crète possible 100. Continue sur 150 sur Bosse. Crète. Droite 5 sur Crète sur longue 40. Gauche 5 sur Crète, sauf serré 60. Droite 6 et attention, gauche 6 sur longue Crète et descente. Gauche 6 sur Crète, possible saut. Attention, Crète basse et virage à droite 4. Crète 80. Petite Crète et gauche 5 long au boss. Crète possible saut. Droite 5 long, ferme 3 sur Crète. 80. Boss et petite Crète possible saut. Gauche 4 ferme 3 sur Crète 80. Attention Crète, possible saut après jonction. Ouf, ouais. Droite 4 ouh, sur Crète 80. Ouh, l'erreur, l'erreur. Gauche 5 sur Crète, possible saut 130. Ça n'a pas été trop pénalisant, mais faut. Je reste concentré jusqu'à la fin. Crête, possible saut. Gauche 4, semi-long, Crète, possible saut. Droite 5, semi-long et petite Crête 80 sur Crète. Droite 3 sur Crète sans couper. Gauche 5 long ferme 340. Droite 4 après jonction sur Crète possible saut sans couper 80. Droite 4 sur saut 80. Gauche 6 semi-long. Milieu sur Crète 200 en descente. Attention freinage milieu sur deux crêtes et virage à gauche à 90 degrés sans couper. Milieu sur longue crête 60. Milieu sur crête possible 140. Gauche 4 long sans couper 80. Droite 4 sans couper après jonction ferme 300 après jonction. Attention gauche 6 sur crête possible 100. Gauche 5 serré sur crête 40. Tu vas où là ? 4 semi-long bien serré, attention 80 après jonction, épingle gauche. 40. Crête possible 130. Droite 3 semi-long après jonction sans couper 80. Gauche 5 60 après jonction. Gauche 3 s'ouvre 60. Droite 5 semi-long. Sur arrivée. Ouh, c'est quoi de ce saut là ? Un peu mitigé. On aurait pu mieux faire une petite erreur, mais ça m'a pas occasionné trop de dégâts, je pense, mais. Dernière étape, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go. Gauche 6 sur 100 après jonction. 100 sur point. Alors elle est assez longue aussi. Droite 6 ferme, 4. C'est la dernière, on va faire au mieux. 80 sur crête sur boss. Gauche 6, 60. Attention, gauche 3 sur crête sans couper. Crête possible 140. Droite 6 ferme, 4 sur crête saut. J'ouvre et continue sur 100. Boss et crête. 80 en descente sur crête possible saut. 40 après jonction. Gauche 4 sur crête saut. Crête 130. Droite 6. Droite 3 sur crête sans couper et s'ouvre sur long. Crête sur crête possible saut. Gauche 5 long sur crête possible saut. Crête après jonction 40. Attention droite 4 sur crête saut. 60 après jonction. Gauche 4 semi long sur crête et crête 60. Droite 4 sur crête. 100 après jonction. Attention droite 4 sur crête possible saut. Boss. 40 crête possible saut sur boss. Gauche 6 sur crête possible saut. Continue sur 150 sur boss. Ferme 5 en descente sur crête 60. Alors je vous l'accorde, hein. C'est quasi zéro prise de risque, mais bon. Droite 5 sur crête possible saut s'ouvre sur long 100. Serré à droite sur crête saut. Ligne droite sur crête et crête saut. 60 après jonction.
gérer à droite sur longue crête. Attention, droite 5 long après jonction, ferme 3 sans couper. Crête 80 après jonction. Gauche 4 ferme 3 sur crête sans couper. 60. Droite 4 continue sur crête et s'ouvre et ferme 40. Gauche 5 semi-long sans couper après jonction. 80. Milieu sur crête, saut 80 après jonction. Gauche 5 long s'ouvre sur crête après jonction. 40. Gauche 5 sur crête, saut sans couper, petite crête saut. Milieu sur crête, saut 180 après jonction. Droite 5 après jonction, ferme 4 bien serré. Droite 6 sur crête et saut sur 100 sur bosse. Attention, droite 4 sur saut 100. Gauche 4 long. 60 serré à gauche sur crête. Droite 5 long sur 40, milieu sur crête saut. 60 après jonction, crête possible saut 80. Gauche 6 sur crête possible saut sur 60 après jonction. Attention, gauche 6 sur crête et dévers négatif. Gauche 3, 7 long serré 60. Droite 5 sur crête 80. Droite 4 sur crête et s'ouvre sur bosse 60. Gauche 6 et milieu sur crête saut. Gauche 5. Droite 4 long milieu sur crête. Gauche 4 sur crête 80. Droite 4 long sur crête sans couper. 40. Gauche 6 ferme 4 sur crête. 60. Droite 6 ferme 3 ferme 150. Gauche 4 semi-long après jonction 40. Droite 5 ferme 4 sur crête. Gauche 5 sur crête 40 après jonction. Crête et gauche 5 semi-long. 60 après jonction. Droite 4 ferme 3 sur 60 après jonction. 80 gauche 3 semi-long après jonction sans couper. 130. Attention, crête possible saut. Épingle droite sans couper. 80 après jonction. Gauche 4 semi-long bien serré. Attention crête. Droite 4 100. Droite 6 sur crête possible saut. 100 après jonction. Gauche 3 semi-long après jonction sans couper et s'ouvre. 80. Droite 4 long sans couper. 40 milieux sur crête possible saut. 60 milieu sur longue crête sur virage à 90 degrés. Droite sans couper. Milieu sur crête 200. En descente, milieu sur crête. Droite 6, semi-long 80. Attention, gauche 4 sur saut 80. Attention, gauche 4 sur crête, saut sans couper après jonction 40. Droite 3 s'ouvre 5 ferme. Gauche 3 sur crête sans couper 80. Crête. Petite crête. Gauche 5 crête possible saut. Droite 4 semi-long s'ouvre sur crête possible saut. Gauche 6 et continue sur deux petites crêtes 130. Droite 5 sur crête 100. Gauche 5 sur crête et continue en descente. Crête possible saut après jonction 80. Attention, droite 4 sur crête et ferme 3 long 80 sur bosse. Gauche 6, ferme 3 sur crête long, 60, crête. Possible saut sur bosse. Droite 5 long sans couper sur crête 80. Attention crête, virage à gauche, trompeur, 60 en descente. Droite 6 sur crête. Descente et milieu sur longue crête, gauche 6. Droite 5 sur crête, saut 40. Gauche 5, semi-long et crête. Gauche 6 continue sur 150 sur bosse. Crête possible, saut 80. Petite crête possible, saut 60. Milieu sur longue crête 80.
droite 5 long sur crête ferme 300. 3 6 demi long 60. Gauche 4 sans couper, s'ouvre sur 6 et continue sur 130. Ferme 5 sur crête. Milieu sur crête. Droite 4 long. Sans couper et crête. 60 crête et milieu sur crête. Milieu sur crête saut. Gauche 6 semi-long sur crête, possible 180. Virage à gauche 3 sur crête. Allez, dernière portion, c'est pas le moment de faire une erreur. Droite 6. Gauche 5 semi-long, ferme 3. Ah, je vous dis, je connais pas, je savais pas où il fallait aller là. Longue crête et crête, crête. Gauche 6, 80. Attention, droite 6 sur longue crête, possible saut 60. Attention, gauche 4 long sur crête. Ferme 3 sans couper, restez milieu. Droite 4 sur 80. Sans couper, 40 milieu sur longue crête. Ah, j'ai eu la chance là, parce que là. Gauche 4 semi-long. S'ouvre sur crête saut. Crête. Gauche 4 ferme 3 après jonction. Droite 5 sur crête. Gauche 4 long après jonction sans couper. Ferme 3 long. Droite 4 semi-long s'ouvre sur arrivée. Eh hey, mais je suis crevé. Pouf, bon, du coup, je sais pas ce que ça me donne, parce que je crois que cette manche de championnat est quasi terminée, il doit rester 2-3 heures, je pense. Bon, ben, en tout cas, voilà, donc cette épreuve, cette étape est terminée. On se retrouve pour la prochaine, je suppose. Voilà, salut.